Donc, rebonjour à tous et merci beaucoup de vous être joints à nous ce soir pour notre webinaire Comprendre le carcinome urothélial des voies supérieures, un aperçu complet, qui va être présenté par le docteur Gagnon. Je m'appelle Faria, je suis la coordonnatrice des programmes au Québec pour Cancer de la vessie Canada et je suis très honorée d'animer cette session ce soir. Chez Cancer de la vessie Canada, nous croyons que l'éducation peut contribuer à améliorer la qualité de vie des patients touchés par le cancer de la vessie. C'est pourquoi nous organisons des webinaires comme celui-ci. Avant de plonger dans l'action, un peu de ménage. Vos micros et vos caméras seront éteints pendant toute la durée de la session. Cependant, nous aimerons savoir qui est avec nous aujourd'hui. Donc, encore une fois, si vous voulez, vous pouvez indiquer votre nom et votre lieu de résidence dans le chat. N'oubliez pas que le contenu des webinaires est destiné uniquement à l'échange d'informations et ne doit pas être considéré comme un avis médical. Demandez toujours à votre médecin ou à votre urologue ce qui vous convient le mieux. La présentation sera suivie d'une séance de questions-réponses. Veuillez taper vos questions dans la section questions-réponses dans le chat. Et nous allons pouvoir répondre à ces questions à la fin de la présentation tant que le temps le permettra. Et si vous avez des difficultés techniques, ma collègue Teresa et moi-même surveillons le chat aussi et nous serons heureux de vous aider. Et maintenant, j'ai l'honneur de vous présenter notre présentateur de la soirée, Dr. Richard Gagnon. Donc, il a terminé ses études de médecine à l'Université d'Ottawa dans le volet francophone. Il a fait sa résidence en médecine interne et en oncologie médicale à l'Université de Calgary et il est Mais en ce moment, oncologue médical à BC Cancer Victoria depuis 2022 et il se spécialise dans le traitement des tumeurs malignes, génito-urinaires, gynécologiques et mammaires. Donc, encore une fois, merci beaucoup, docteur Gagnon. Je vous cède la parole puis je vous laisse partager votre écran aussi. Oui, parfait. Merci beaucoup pour l'introduction. Je vais juste partager mon écran ici et on peut commencer la présentation. Parfait. Est-ce que vous pouvez voir mon écran? Parfait, oui. C'est bon. Excellent. Parfait. Alors, merci beaucoup et bienvenue à tous les participants aujourd'hui, ce soir en Ontario et au Québec et cet après-midi pour les autres francophones, francophiles. Dans l'ouest du pays comme moi. Moi, c'est Richard Gagnon. Comme Faria a dit, je suis oncologue médical ici à Victoria, sur l'île de Vancouver. Je suis aussi instructeur clinique à l'Université de la Colombie-Britannique. Et aujourd'hui, je vais discuter avec vous du cancer urothélial des voies supérieures. Alors, comme conflit d'intérêts potentiel, j'ai collaboré avec les compagnies suivantes. Par contre, aucun du contenu ce soir sera affecté par ces collaborations. Alors, un aperçu bref des objectifs de notre discussion aujourd'hui. Premièrement, un survol de la maladie et notre approche à le cancer urothélial des voies supérieures. Après, nous allons discuter le traitement chirurgical typique de cette maladie, aussi le traitement périopératoire qui sont parfois donnés avant ou après le traitement chirurgical, et finalement les soins offerts aux patients avec un cancer métastatique ou de stade 4. Juste une note qu'il y a de la variance dépendant où vous êtes, quel type de médecin un patient va voir pour ses traitements. Côté chirurgical, ça sera toujours un ou une urologue. Par contre, il y a des endroits où que l'urologue va aussi prescrire les médicaments anticancéreux. Et il y a d'autres endroits où que les médicaments anticancéreux sont plus gérés par un groupe de spécialistes en traitement systémique pour le cancer, et qui sont les oncologues médicaux, comme moi. À noter que ces gens, incluant moi, ne sont pas des chirurgiens. Alors, pour commencer, qu'est-ce que le cancer urothélial des voies supérieures? Alors, premièrement, avec un œil à l'anatomie du système urinaire, on commence au niveau des deux reins. Est-ce que vous pouvez voir la flèche sur mon écran? De toute façon, j'ai juste à noter que le système urinaire commence au niveau des deux reins, où que le sang est filtré pour créer l'urine. Après le procès de filtration, l'urine passe à travers les deux uretères
pour se rendre finalement dans la vessie. Et finalement, quand que la vessie envoie le signal au cerveau que c'est le temps d'évacuer, si tu veux, l'urine passe à l'extérieur à travers l'urètre. La raison qu'on parle des cancers urothéliales fait référence aux parois communes qui vont des pelvis rénales, ici, jusqu'à l'urètre. Ce paroi est unique parce que c'est le seul endroit dans le corps où qu'on retrouve les cellules urothéliales. On voit ici en bas, c'est une photographe du paroi des voies urinaires. Et les cellules en violet ou en mauve en dessus, ça représente les cellules urothéliales. Alors, ça forme la couche de cellules dans l'intérieur de la voie urinaire. Ces cellules sont uniques à cet endroit dans le corps humain. Ils ont des propriétés très uniques. Presque tous les cancers du système urinaire proviennent de transformations cancéreuses de ces cellules urothéliales. Vraiment en raison de surface relative, la plupart de ces cancers proviennent de la vessie. Mais il y a une minorité, 5 à 10 % qui, avec une origine dans les voies supérieures, soit le pelvis rénal ou dans l'urètre, où on a la même couche interne de cellules urothéliales. Il existe des facteurs de risque pour cette maladie. Les plus importantes sont le tabagisme, l'âge, les antécédents familiaux. Aussi, certaines expositions occupationnelles chimiques, heureusement, sont plus rares ces jours-ci que dans le passé. À noter qu'il y a beaucoup de facteurs de risque en commun avec les cancers urothéliaux de la vessie, mais avec quelques différences. Par exemple, il y a moins d'associations avec le sexe biologique. Il y a un ratio de 4 à 1 avec le cancer de la vessie, c'est environ 2 à 1. Femelle pour le cancer des voies supérieures. Plus d'associations avec l'utilisation de produits chimiques, l'acide aristolochique. Heureusement, on voit ça rarement au Canada dans ces jours-ci. Et une plus grande association avec certains syndromes génétiques, tels que le syndrome de Lynch. Qui est un syndrome héréditaire qui peut être passé de génération en génération. Côté signes et symptômes, comme le cancer de la vessie, le sang dans l'urine, c'est le symptôme qu'on voit le plus souvent avec un diagnostic. Vous avez peut-être vu ces affiches avec le citron et les gouttes rouges avec le message que c'est un signe sérieux et ça nécessite une visite au médecin. D'un cas de maladie plus avancée, parfois il y a de la douleur, particulièrement dans le bas du dos ou que le cancer origine. Le bilan diagnostique va en général commencer avec une consultation avec l'urologue, une analyse sanguine et d'urine. Parfois, il peut y avoir des cellules cancéreuses qu'on retrouve dans l'urine. Par contre, l'absence de ces cellules-là ne suffit pas pour exclure le diagnostic de cancer. Souvent, l'urologue va commander un TDM ou un CT scan en anglais pour être sûr qu'il n'y a pas de métastase au niveau initial. Et finalement, une visualisation, c'est un mot difficile, ça, directe avec un instrument qui s'appelle un urétoscope. C'est vraiment une caméra avec une fibre optique très mince pour examiner les voies urinaires et pour que l'urologue puisse visualiser le tumeur directement. Il peut aussi prendre une biopsie du tissu. Est-ce qu'il y a un morceau de tissu qui a l'air anormal avec ça? Ce biopsie va être envoyé à un laboratoire spécialisé ou qui sera examiné par un pathologiste. Qui est un type de médecin qui va faire le diagnostic de cancer ou non, et aussi décrire le type, grade du tumeur. Et ceci, qu'est-ce qu'ils vont voir dans leur laboratoire après plusieurs étapes où ils mettent des stains spéciales sur le spécimen.
Plus en plus, selon l'endroit où qu'un patient est diagnostiqué, le tissu va aussi être envoyé pour analyse moléculaire. C'est à ce niveau-là, en regardant aux mutations génétiques, qu'on commence à voir que chaque cancer de chaque patient est unique. Mais qu'est-ce que j'essaie de démontrer ici, c'est que même si chaque cancer et chaque patient unique, en dessous de ça, on voit plus de différence si on compare les cancers de la vessie côté génétique versus les cancers des voies supérieures. Alors, c'est un peu compliqué le graphique ici, mais les cancers à gauche, c'est des cancers qui ont été à travers une analyse génétique de voies supérieures et à droite, c'est des cancers de la vessie qui ont été à travers une analyse génétique et on voit plus de semblances si on met ces deux groupes-là ensemble qu'on voit ce qu'on compare les deux groupes. Par exemple, nous constatons un doublement de mutations FGFR ou FGFR dans les cancers de la voie supérieure et ceci est une mutation importante où nous avons en fait une molécule ciblée, un traitement ciblé pour ces cancers-là en quoi plus avancé. Tout ça pour dire que les cancers urothéliaux de la vessie et ceux des voies supérieures sont plus différents que nous avons supposé dans le passé. Après un diagnostic, on pense du grade et de la stade du cancer. C'est deux concepts qui sont liés, mais distincts de l'autre. Premièrement, la stade, c'est vraiment un concept anatomique. On pense à comment large et surtout comment profond dans le paroi voit le cancer. On pense aussi à la propagation aux ganglions lymphatiques ou ailleurs dans le corps et on voit ça sur le TDM que le urologue va commander. Par contre, le grade de la tumeur fait référence à l'apparence microscopique. Les cellules cancéreuses, s'ils ont une apparence similaire à celle des cellules normales, comme dans la photo à gauche, je sais que ça a l'air tout anormal un peu, mais ça, c'est vraiment l'architecture normale des cellules urothéliales, les cellules normales. Ceci, c'est un tumeur de bas grade, où les cellules ont l'air plus ou moins semblables à ceux des cellules normales. Par contre, la photo à la droite, les cellules sont vraiment en désordre et très anormales, et ça, c'est un cancer de haut grade. Et nous savons que les cancers de haut grade sont plus agressifs, ils agrandissent rapidement et le risque est plus élevé de métastase comparé à les cancers de bas grade. Et c'est le pathologiste qui va nous dire est-ce que le cancer est de bas grade ou de haut grade après le biopsie. À noter qu'il y a aussi des sous-types rares de cancer de la vessie et des voies supérieures. En général, ces variants sont plus agressifs et répondent peut-être un peu moins bien à nos traitements standards. Et il faut faire plus de recherches sur ces variantes un peu plus rares. En termes de gestion de ces cancers, je vais commencer avec l'aspect chirurgical. Encore, je veux noter que je suis pas un chirurgien, mais mes collègues chirurgicaux m'ont aidé à préparer cette présentation. L'urologue va commencer par classifier un cancer comme soit faible risque ou de risque plus élevé. Et c'est vraiment là que les décisions commencent. En général, sur le côté faible risque, on pense des cancers qui sont plus petits, de bas grade, qui ont pas l'air invasifs sur le TDM. Pour ces cas, l'urologue va vraiment essayer de préserver le rein si possible. Par contre, les cancers de risque plus élevés, ça sera une chirurgie plus extensive, habituellement avec la résection du rein, de l'uretère et une petite portion de la vessie, et aussi avec une dissection des ganglions lymphatiques. À noter qu'il y a toujours des exceptions aux règles. Et la chirurgie optimale peut varier selon la situation unique de chaque patient et de chaque cancer. Par exemple, il y a beaucoup de gens avec juste un rein fonctionnel pour plusieurs raisons. Évidemment, préserver la fonction rénale de ces patients
ça a l'air différent et c'est patient. Le chirurgien va vraiment essayer de préserver la fonction rénale. Contrairement, il y a aussi des patients de bas risque où que le rein ne fonctionne pas ou que l'anatomie n'est juste pas possible. Avec l'anatomie, c'est juste pas possible à préserver le rein. Alors, il y a toujours des exceptions et chaque cas est unique. C'est important à dire ça. Alors, pour commencer, pour les patients à faible risque, comme j'ai mentionné, l'urologue va vraiment essayer de préserver le rein. Alors, ça sera une résection segmentaire du cancer. De plus en plus, ça devient faisable à résecter le tumeur de façon non chirurgicale avec une procédure endoscopique, qui est une modification urethéroscopie que j'avais mentionné ou que le chirurgien rentre avec la caméra pour visualiser les voies. Mais ils ont un instrument pour creuser un peu et enlever le tumeur. Il y a aussi des essais cliniques concernant l'utilisation de choses comme la photothérapie. C'est important à noter que ces techniques-là, l'endoscopie, la photothérapie, sont très spécialisées ou sont encore au niveau d'essais cliniques. Alors, ne seront pas offerts par tous les centres. Il y a des centres où ça va être quand même une chirurgie ouverte pour ces procédures. La chirurgie la plus utilisée pour le traitement de ce cancer, par contre, c'est la néphro-urétérectomie radicale. Je vais pas essayer de dire ça 5 fois. Mais comme le nom indique, cela implique l'ablation du rein et de l'urétère aussi. Alors, le chirurgien va enlever les deux. Il y a plusieurs variations à cette chirurgie. Mais l'approche idéale, où qu'on a les meilleurs résultats, c'est avec l'extraction des uretères de l'intérieur de la vessie. Alors, le chirurgien va absolument ouvrir la vessie et il va avoir une petite résection interne pour être sûr qu'il y a des marges adéquates pour ne pas laisser de cancer en arrière. En termes d'approche chirurgicale, initialement, il y avait beaucoup d'intérêt avec les chirurgies minimalement invasives ou laparoscopiques. C'est une photo ici. Alors, les chirurgiens rentrent avec une caméra et avec des outils ou qui font leur chirurgie. Alors, le patient sort de la chirurgie vraiment avec juste des petites incisions. Malheureusement, au début, ou qui ont commencé à utiliser ça pour ces chirurgies, les résultats étaient inférieurs que les chirurgies ouvertes, avec plus de récurrence de cancer. Par contre, avec plus d'expérience et une adaptation de technologies plus modernes, heureusement, les résultats contemporains démontrent que les deux approches sont vraiment semblables en termes d'efficacité. Mais encore, je vais mettre l'emphase que chaque cas est unique et pas tous les patients sont éligibles pour une chirurgie laparoscopique ou minimalement invasive. Juste à noter, intéressant, que la simulation robotisée est utilisée de plus en plus pour entraîner mes collègues urologiques. Pour vraiment être expert dans ces chirurgies-là avant qu'ils voient un vrai patient humain. Juste une note sur la chimiothérapie intravesicale. Un des plus gros facteurs de risque pour les cancers urothéliaux, soit de la vessie ou des voies supérieures que je n'avais pas mentionné auparavant, c'est un antécédent personnel de cancer urothélial. En fait, le risque de récidive de cancer dans la vessie approche 50% après le traitement de cancer de voie supérieure. Pourquoi? Il y a plusieurs raisons et théories. Un concept en anglais qu'on appelle le Field Cancerization Effect, ou en français, ce qu'on veut traduire le cancérisation de champ. C'est l'idée que l'exposition prolongée aux toxines qui sont excrétées par les reins vont toucher toutes les voies urinaires et non seulement le site du cancer.
Alors, il y a une haute chance qu'il va avoir d'autres cellules urothéliales précancéreuses parce qu'ils ont été exposés à les mêmes toxines ou que le cancer a développé, surtout dans la vessie où l'urine demeure plus longtemps où que les toxines sont. Il y a une autre hypothèse que le cancer peut aussi propager des voies supérieures et tomber dans le vessie, dans la vessie, pardon, particulièrement avec l'instrumentation pour le biopsie ou avec les procédures endoscopiques. Nous savons qu'une simple dose de chimiothérapie intravescale après l'opération diminue le risque de récidive de cancer dans la vessie. Pour faire ça, la chimiothérapie est envoyée directement dans la vessie. C'est tenu pour 1 à 2 heures et uriné après évacué. Il n'y a presque aucune absorption systémique. Alors, vraiment, bas taux d'effets secondaires avec cette approche. Très bien tolérée par les patients. À noter, il y a plusieurs essais cliniques en cours avec le but d'optimiser le type de chimiothérapie intravasculaire, soit avant ou après la chirurgie, et savoir combien longtemps qu'on garde, qu'on tient la chimiothérapie avant de l'évacuer. Je vais passer là à la discussion des traitements qui peuvent être donnés soit avant ou après une chirurgie pour ces cancers. Premièrement, la chimiothérapie. Et maintenant, je parle de la chimiothérapie systémique, ce qui veut dire que c'est donné par voie intraveineuse, contrairement à la chimiothérapie intravasculaire que j'ai discutée auparavant. Ça peut être donné soit avant ou après une chirurgie. Et nous savons que l'addition de la chimiothérapie donnée avant ou après ces chirurgies-là diminue le risque de récidive par environ 15 % et le risque de mort dû à la cancer par environ 10 %. Ça donne un assez haut niveau de protection contre une récidive. Parce que la chimiothérapie est donnée par voie intraveineuse, le médicament va partout dans le corps, encore contrairement à la chimiothérapie intravasculaire. Et ça traite ce qu'on appelle le cancer micro-métastatique, qui veut dire les cellules de cancer qui ont peut-être commencé à se propager dans le corps d'un vaisseau sanguin, d'un nœud lymphatique, mais qui sont trop petits à voir sur l'imagerie comme sur un TDM. Il y a beaucoup de débats dans notre monde concernant quand la chimiothérapie devrait être administrée, soit avant ou après la chirurgie. Il y a des avantages et désavantages avec les deux approches. Si la chimiothérapie est donnée avant, on traite les sites de micro-métastases plus tôt, avant qu'ils aient le temps de se propager. En général, il y a aussi beaucoup plus de patients qui vont avoir une meilleure fonction rénale avant la chirurgie. Si que le rein est enlevé avec la chirurgie. Et c'est important parce que ces médicaments-là sont métabolisés par les reins. Et finalement, la chimio peut aider à diminuer la tumeur primaire et faciliter la chirurgie, particulièrement parce qu'il y a une grosse tumeur qui bute d'autres structures. Souvent, je vais avoir un appel d'un chirurgien qui me dit que ça serait très difficile à faire cette chirurgie parce que le tumeur est juste à côté d'un gros vaisseau sanguin et ça l'aiderait vraiment à ce qu'on serait capable de rapetisser le tumeur pour l'approche chirurgicale. Par contre, la chimiothérapie peut causer un délai chirurgical. Pas tous les patients vont répondre à la chimiothérapie, on cause un délai à la chirurgie. C'est que le patient a beaucoup de douleurs à cause tumeur, ce qui est du saignement à cause de la tumeur, ce qui est du saignement à cause de la tumeur. Une chirurgie primaire peut faire plus d'allure. L'autre aspect, c'est que souvent, on ne sait pas le stade exact du tumeur avant la chirurgie. En principe, on veut juste donner la chimiothérapie pour les stades un peu plus avancés, les stades 2 ou plus haut que ça. Et ce n'est pas toujours possible de savoir ça avant la chirurgie. C'est possible qu'on si qu'on donne tout le monde la chimiothérapie avant la chirurgie, qu'on va surtraiter
des gens, qu'on va donner des gens de la chimiothérapie qui n'ont pas besoin. Ceci est le protocole de chimio le plus souvent utilisé. C'est une combinaison de deux médicaments. On donne soit un médicament qui s'appelle le cisplatine ou le carboplatine, avec un autre médicament qui s'appelle le gemcitabine. C'est donné en cycle de 3 semaines et on donne 4 cycles. Alors, ça fait un protocole de 12 semaines ou de 3 mois, de 3 mois en total. Le cisplatine ou le carboplatine, c'est donné la première journée de chaque cycle. Le gemcitabine, c'est donné la première journée et la 8e journée de chaque cycle. En général, on essaye de donner le cisplatine, si possible, au lieu du carboplatine, parce que c'est un peu plus efficace côté récidive de cancer. Par contre, il y a plus d'effets secondaires avec le cisplatine et il y a des patients qui sont non éligibles, particulièrement dû à des causes de fonction rénale. Ce médicament-là peut être métabolisé par les reins, comme j'avais dit auparavant, et peut causer du dommage aux reins, ce que la fonction rénale n'est pas adéquate avant qu'on donne le médicament. Et c'est ici vraiment le problème avec l'approche où qu'on donne la chimiothérapie après la chirurgie, c'est que beaucoup de patients qui seraient éligibles pour le cisplatine avant la chirurgie ne seront pas éligibles dû à le baisse de la fonction rénale après la chirurgie à cause du que le chirurgien y enlève le rein ou un des deux reins. Fait que c'est vraiment un facteur qu'on considère ce qu'on décide de donner la chimiothérapie avant ou après. Aussi à noter, récemment, nous avons eu accès à quelque chose qui s'appelle l'immunothérapie pour les patients de plus haut risque. Ceci, c'est un traitement administré par voie intraveineuse, soit à 2 semaines ou à 4 semaines pour 1 an. Et ceci est toujours donné après la chirurgie, jamais avant. C'est important à noter que pas tous les patients sont éligibles, dépendant de leur stade et s'ils ont reçu de la chimiothérapie avant leur chirurgie. C'est vraiment plus pour les tumeurs de haut risque, même de plus haut risque que ceux qu'on donne de la chimiothérapie. Le nom de l'immunothérapie qu'on donne, c'est le nivolumab. Et on sait ce qu'on donne ce médicament-là, ça augmente le délai avant un récidive de cancer. Par contre, jusqu'à date, nous n'avons pas démontré un avantage de survie avec l'utilisation. Ce n'est pas clair si on guérit plus de cancer ou c'est juste un délai au récidive avec ce médicament-là. C'est peut-être un peu moins efficace pour les cancers de voie supérieure que ceux du vessie. Et les effets secondaires de ce médicament sont assez uniques et très différents que ceux qu'on voit avec la chimiothérapie. Le but de ce médicament, c'est d'activer le système immunitaire pour détruire les cellules cancéreuses. Par contre, parfois, le système immunitaire attaque les tissus normaux et cause de l'inflammation des organes, incluant les poumons, les intestins, la peau, les glandes endocriniennes, le foie. Et ça peut être des effets secondaires assez profonds et parfois des effets secondaires fatals avec l'utilisation de ce médicament-là. Juste un petit mot sur la radiothérapie. C'est moins utilisé dans ce type de cancer que dans les autres. Parfois, ça peut être utilisé s'il y a des marges positives après la chirurgie. Alors, le chirurgien essaie d'enlever tout le cancer, mais le rapport du pathologue dit qu'il y a du tumeur à la marge ou que ça a été résecté. Ceci utilise des rayons d'énergie émis par une machine qui a l'air très semblable à une machine de TDM. Qui dirige les rayons d'énergie vers un site spécifique dans le corps. C'est un traitement qui est donné par un médecin ou une médecine spécialisée en radio-oncologie. Alors, c'est un autre type de médecin totalement. Finalement, je veux juste discuter brefement les cas métastatiques ou les cas de stade 4 de ce cancer.
Alors, qu'est-ce que je veux dire par stade 4 ou métastatique? Ceci veut dire que le cancer s'est propagé ailleurs dans le corps, par exemple dans les os, dans le foie, dans les poumons. La plupart de ces cas sont des récidives après un traitement chirurgical, mais parfois il y a déjà des métastases au moment du diagnostic, dans 10 à 15 % des cas. Malheureusement, dans ces cas, la maladie ne peut rarement être guérie. Alors, le but de nos traitements, c'est de prolonger la vie et d'améliorer les symptômes associés avec la maladie. Je vais pas aller en trop de détails pour deux raisons. Numéro un, ça prendrait toute une présentation pour aller en détail de tous les traitements qu'on a pour ces cas-là. Et deuxièmement, le traitement est exactement le même au moment pour ceux de cancer de la vessie de stade 4. Et il y aura une autre présentation dédiée à ce traitement-là pour les cas de stade 4. Mais je veux juste noter que la situation pour ces patients a vraiment changé pour le mieux des dernières années. Alors, si un patient viendrait me voir avant l'année 2017, qui a été diagnostiqué avec un cancer de stade 4 urothélial, soit des voies supérieures ou de la vessie, j'aurais vraiment juste l'option de donner ce patient-là la chimiothérapie. Et je saurais et je dirais à ce patient-là que malheureusement, la survie médiane est d'environ d'un an. Mais en 2024, heureusement, nous avons plus d'outils. Autre que la chimiothérapie, nous avons aussi l'immunothérapie qu'on peut utiliser en cas de stade 4. Une nouvelle classe de médicaments appelée des médicaments conjugués anticorps, des thérapies moléculaires ciblées. J'avais mentionné la mutation FGFR qu'on voit plus dans les cancers de voie supérieure. Alors, nous avons des molécules qui ciblent ces mutations-là. Et avec ces nouveaux médicaments-là, le taux de survie a vraiment augmenté pour ces patients-là. Et on approche 3 ans comme médiane. Et en fait, avec ces thérapies-là, nous avons une proportion de nos patients avec un bon contrôle de leur maladie pour beaucoup d'années. Alors, il y a beaucoup d'espoir pour ces patients-là. C'est tout que j'avais à discuter aujourd'hui de mon côté. Je voulais laisser beaucoup de temps pour les questions. Je vais laisser le micro ouvert. Merci beaucoup pour votre présentation qui a été très intéressante, monsieur, docteur Gagnon. Je vais prendre le temps de lire les questions. Si jamais vous voulez les écrire dans le chat, je vais pouvoir y répondre. La première question que moi j'ai ici, c'est est-ce que le carcinome urothélial des voies supérieures est plus compliqué à traiter que le cancer de la vessie? Je dirais en certaines façons oui, en certaines façons non. En fait, la chirurgie des cancers des voies supérieures est souvent un peu plus simple qu'un cancer, qu'une chirurgie qu'on appelle un cystectomie, qu'on enlève la vessie. Heureusement, ces patients-là, ils gardent leur vessie après cette chirurgie. Alors, côté qualité de vie, il y a beaucoup d'avantages de ce côté-là. La récupération est pas mal plus vite avec ces cancers-là. Contrairement, souvent, les patients, ils perdent un rein avec cette chirurgie. La plupart des gens, c'est pas un gros problème. On peut vivre avec juste un rein. C'est juste qu'il y a un problème de fonction rénale auparavant que ça peut causer des problèmes. De mon côté, avec les médicaments anticancéreux, il n'y a pas vraiment une grosse différence. Nous voyons que les taux de réponse sont différents avec certains médicaments. Comme j'ai dit, peut-être un peu moins sensibles à l'immunothérapie. On voit dans grosses études que la sous-population de patients avec les cancers de la voie supérieure
Parce que ces patients-là sont souvent inclus dans les essais cliniques de cancer de l'AVC. On voit qu'avec l'immunothérapie, peut-être les réponses ne sont pas aussi bonnes, mais encore, c'est une petite proportion de patients. C'est difficile à dire ça avec une certitude. À part ça, la réponse à la chimiothérapie a l'air semblable. On a plus d'outils pour les patients avec les mutations FGFR qu'on voit plus souvent dans ces patients-là. Fait que, en général, je ne dirais pas que c'est plus compliqué ou moins compliqué, mais c'est juste un petit peu différent avec des nuances un petit peu. OK. Et pourquoi est-ce que ce cancer-là est défini comme plus agressif? Je ne suis pas sûr ce que je dirais qui est plus agressif. En général, les cancers urothéliaux sont plus agressifs que les autres cancers dans le corps. Ils grandissent un peu plus vite. Il y a un haut taux de métastases qui ne sont pas traités de façon rapide. Mais ce qu'on compare au cancer de l'AVC, je ne dirais pas qu'en général, il y a une différence quand on pense de agressif ou non agressif. OK. Et la question finale, qui a le plus de chances de bénéficier d'une chirurgie d'épargne rénale? Est-ce que vous pouvez répéter la question? Qui a le plus de ch chances de bénéficier d'une chirurgie où on conserve les reins? C'est une bonne question. Fait que, encore, c'est unique pour chaque patient et chaque cas. Et ça a à faire beaucoup avec où que la tumeur est. Je vais juste partager mon écran encore. Désolé. Alors, est-ce que vous pouvez voir mon écran? Alors, vous pouvez imaginer ce que la tumeur est près du rein, du pelvis rénal. Ça peut être pas mal plus difficile à préserver le rein. Contrairement que ce que le tumeur est plus bas, plus proche de la vessie, là, ça peut être plus facile pour le chirurgien à préserver le rein. L'autre facteur que j'avais mentionné, c'est que les cancers de bas grade, nous savons qu'on a plus de succès avec des chirurgies où qu'on préserve le rein parce qu'on peut, nous savons que ces cancers-là ne sont pas aussi agressifs. Alors, il y a moins de chances qu'ils vont aller propager plus haut, plus bas dans les voies urinaires. Alors, le chirurgien est beaucoup plus confortable à faire une chirurgie plus limitée. OK, merci beaucoup. Donc, merci beaucoup pour votre temps. J'espère que tout le monde a apprécié cette session aussi. Le mois prochain, nous allons organiser une formation en personne à Toronto, où nous prévoyons également un webinaire sur les crédits d'impôt pour les personnes atteintes du cancer de la vessie. Et dans les prochains mois aussi, on a un panel de patients qui va avoir lieu en mai. Dans le chat, Thérissa va partager un lien pour inscrire à la prochaine session, ainsi qu'un lien vers un sondage rapide qui va être également envoyé par courriel. Nous aimerions connaître votre avis sur cette session et vos suggestions pour les prochaines présentations. Nous vous invitons donc à prendre quelques minutes pour répondre à l'enquête. Si jamais vous avez besoin de bénéficier d'aménagements pour répondre à ces sondages, vous pouvez toujours nous envoyer des questions ou bien nous appeler. Notre contact est juste en bas de la page. Vous pouvez aussi nous envoyer un courriel à info@cancerdelavessiecanada.org. L'enregistrement de cette séance sera téléchargé sur notre site web dans les semaines à venir. Et encore une fois, j'aimerais vraiment remercier Dr. Gagnon d'avoir partagé toute cette information et d'avoir pris le temps avec nous cette soirée. Merci à vous tous aussi d'avoir participé à cette séance et on vous souhaite tous une excellente soirée. Merci beaucoup à tous.